maquillage un peu noir et abstrait que j'ai beaucoup aimé réaliser. Je vous ai fait quelque chose d'assez rapide pour pas que vous ayez tous les petits dessins à regarder. Notamment la tête de mort que j'ai faite devant mon miroir, ce qui était beaucoup plus simple. J'espère que ça va te plaire et c'est parti! On commence par utiliser un crayon blanc pour pouvoir faire nos délimitations de notre maquillage. Donc à vous de choisir les traits que vous voulez, c'est un peu aléatoire à ce niveau-là. Puis j'utilise du fard gras noir pour pouvoir repasser tout autour. Donc d'abord je fais un côté entièrement noir, donc j'ai assez galéré parce que ce fard gras est vraiment tout pourri, je vous le conseille pas du tout. Et donc j'ai commencé à faire ça au pinceau, puis j'ai lissé avec la main. Et j'alterne avec un liner assez fin pour pouvoir avoir quelque chose de bien droit. Puis on fait l'autre côté du visage, c'est-à-dire c'est celui où il y a les sortes de griffes noires, on va dire, pour être tragique. Et on continue tout ça en alternant le liner et le fard gras. Ensuite, j'utilise vraiment un fard noir à paupières avec un gros pinceau à blush pour enlever les zones de brillance lors des photos. Et parce qu'on est une fille, hein, on va mettre un peu de laque à lèvres sur les lèvres pour donner un côté un peu plus féminin. Et voilà le résultat, j'espère que ça te plaît. Donc j'espère que ce make-up vous a plu, franchement c'est pas compliqué à faire et l'effet est plutôt surprenant, j'aime beaucoup ce style de make-up. N'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker. Tu peux me retrouver sur les pots communs pour m'aider à réaliser plus de make-up dans ce style. Je n'ai d'ailleurs plus de peinture noire, alors adieu effet noir. Je te fais des gros bisous, à bientôt, bye.